Remercie le bon Dieu. Voilà, c'est le meilleur, c'est le plus beau cadeau de mes cœurs. C'est de ça que je parle, pour te éclaircir, pour t'avoir la lumière dans la vie. Ma soeur, mon frère, tu as dans, comme ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Tes activités sont mélangées. Tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à te comprendre. Avec les gens, tu ne sais même pas qu'est-ce que ça se passe sur toi. Vous savez bien, tu es avec un ami. Toi, tu sais ce lagui. Quand l'ami est arrêté sur le lagui, tu ne peux pas voir. Donc, ces recettes-là, par grâce à Dieu, va vous protéger, va vous donner la force. Va vous nettoyer le corps, va vous donner comme la lumière. C'est Dieu qui nous aide. Personne ne peut, seul le Dieu et le Seigneur qui peut nous aider. Donc, ces bains-là, c'est fait pour 4 jours pour les femmes, 3 jours pour les hommes. Ces bains-là que je partage aujourd'hui avec vous, mes chéris. C'est un bain qui aide beaucoup la vie de l'homme. C'est un bain qui nettoie vraiment. C'est un bain qui frappe bien, mes chéris. Vous faites ça, mes bébés, vous allez voir le résultat par grâce à Dieu. En faisant le bain, il faut être toujours propre, mes chéris. Ne laisse pas bien que tu n'es pas propre. Être toujours propre, ça va vous aider beaucoup, la famille. Si tu es en contact avec un homme, tu laisses, quand tu seras propre, tu vas faire. Si tu es en contact avec une femme, quand tu seras propre, tu vas faire. Ce bien va nous changer notre vie par grâce à Dieu. Dieu aide-moi quand je te vois le chemin. C'est le plus court, mes bébés. Voilà, ce recette, c'est de ça. Ça nous aide. C'est des aliments très simples que vous le voyez, des naturels. Vous avez besoin de la marmite. Vous allez déposer la marmite au feu. Vous avez besoin des feuilles de citronnelle. Une bonne quantité, beaucoup de citronnelle. Vous mettez dans la marmite. Vous avez besoin de 7 feuilles de laurier. 7 de ça. Ça va dans la marmite. Vous avez besoin de 7 citrons verts. Ça va dans la marmite. Vous avez besoin de poignée de clous de girafe. Ça va dans la marmite. Vous avez besoin de sel poigneux, ça va dans la marmite. Fais bouillir toute la famille, tu vas la faire bouillir bien. Quand ça finit, tu vas la faire descendre. Tu vas chercher un bidon, tu gardes ton eau dedans quand ça se refroidit. Chaque fois que tu veux te laver, tu mets l'eau dans ton seau. Dans ton seau, tu prends le goût de l'eau qui est dans le bidon, tu ajoutes son dedans. Tu vas aller, tu pars, tu te laves avec l'eau, mes chéris. C'est bien, c'est fait juste 3 jours pour les hommes, 4 jours pour les femmes. Tu n'as pas besoin de prendre avec les savons. Tu te laves proprement et tu t'arrêtes jusqu'à l'eau va cesser de toi. Quand ça finit, tu vas sortir de la toilette. Pour 3 jours les hommes, pour femmes les 4 jours. Fais cette recette, par grâce à Dieu, Dieu va nous donner le résultat. Ne fais pas cette recette en contact d'un homme, non, ou d'une femme. Après, tu vas aller, mes chéris, c'est pour voir le résultat positif. Ça va vous aider beaucoup, mes frères, mes sœurs. Être toujours propre. En faisant la recette, il faut être sûr de toi. Quand on est sûr de toi, tout va être bien. Sûr de toi, être positif, mes bébés. Ok, la famille? Mets sur ta toi, dis, tout va bien avec toi. Mets sur toi, tout va bien, tu vas bien. Tout est normal. C'est ça, l'homme doit être positif. Faites ce recette pour 3 jours, vous allez venir mes hommes, 4 jours pour les femmes. Faites, vous allez venir encore donner le meilleur et le pur. Oui, c'est de ça que je parle, être toujours content.